Bonjour à toutes et à tous. La semaine se termine comme elle a commencé, avec de belles conditions ensoleillées. À noter tout de même la possibilité d'avoir quelques nuages ici et là. Alors dans un premier temps, regardons de plus près notre samedi 28 août où le soleil brille pleinement en première partie de journée avec des températures agréables au réveil, comptez 10 degrés. À Montaigu-Vendée, 11 à La Roche-sur-Yon, 13 sur la côte vendéenne et 16 à L'Île-Dieu. Dans l'après-midi, le beau temps perdure sur l'ensemble du département. Les températures restent estivales avec un maximum de 25 à Fontenay-le-Comte, 24 au Sable-d'Olonne et 21 sur les îles. Et ce beau soleil devrait rester avec nous puisque dimanche et comme la veille, le ciel est totalement dépourvu de nuages. Côté Mercure, nous prendrons un degré de plus l'après-midi avec une maximale de 26 au plus chaud. Lundi, la semaine débute avec un plein soleil en matinée, mais des nuages viennent le perturber en seconde partie de journée. Les températures varient de 11 à 25 degrés ce lundi. Mardi, quelques brumes pourraient faire leur apparition dans le Bocage à l'aube, mais le ciel bleu sera majoritaire sur l'ensemble de la Vendée. Au niveau des températures, notez 12 minimum le matin et 26 l'après-midi. Revenons à présent à notre samedi 28 août. Le soleil nous accompagnera de 7h21 à 20h52. Nous souhaiterons une très belle fête à tous les Augustins et la mer sera belle à 20 degrés avec des coefficients de 65 et 59. Et si vous prévoyez de vous rendre sur la côte ce week-end, restez sur TV Vendée pour découvrir la météo des plages. Très beau week-end à toutes et à tous et rendez-vous très bientôt pour un nouveau bulletin météo.